si l'un des deux vient, hein, ou bien un des deux. Si l'un des trois là vient, notre rôle comme société civile, c'est de faire les pressions nécessaires pour les décideurs et pour tous les acteurs qui ont la décision d'alléger ce réchauffement climatique qui aura certainement beaucoup de répercussions sur surtout les populations les plus vulnérables et les pays les plus vulnérables tels que la Tunisie et les pays africains et les pays du tiers-monde. Oui, certainement l'FTDS est engagé à promouvoir l'action de la société civile luttant contre la pollution et favorisant le droit à l'environnement. Nous sommes engagés à soutenir la société civile et surtout les mouvements sociaux nouveaux qui œuvrent sur la question des droits environnementaux, la question des droits à une vie saine, juste et équitable. Le mouvement Stop Pollution à Gabès, c'est un mouvement qui montre bien les mauvais choix de développement et de modèle de développement qui a été entamé en Tunisie au début des années, surtout au début des années 80. Donc ce modèle qui ne respecte pas l'environnement, et voilà qu'on a une région pratiquement unique dans le monde. C'est le premier oasis maritime côtier dans le monde qui est en désastre actuellement écologique. C'est un mouvement qui est en continuité, mais malheureusement qui n'a pas jusqu'à maintenant abouti à un résultat respectant la nature, respectant les revendications des populations qui sont victimes, surtout les populations les plus vulnérables dans cette zone-là. Actuellement, donc, l'État a opté pour un budget de 20 millions de dinars actuellement pour dépolluer une zone de à peu près 4,5 km. Pour actuellement passer à une autre dimension, à une autre vitesse pour accélérer les choses afin de changer les politiques et les mauvais choix qui ont été entamés en Tunisie dans la question environnementale.